Bonsoir tout le monde, c'est parti pour un petit cas clinique. Il y a peu de monde sur la route, j'espère qu'on aura le temps. Alors ce soir, on a une dame extraordinaire, une femme qui est forte, une femme forte. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, je vous les conseille. Sur mon site patrickgossou.com, à la page vidéo formation, vous avez un tas de vidéos où j'explique pas mal de choses entre l'ostéopathie, l'ésotérisme, le monde intérieur. Et du coup, j'explique notamment à quelques reprises, en prenant appui sur les enfants hypersensibles et hyperactifs, qu'il doit y avoir une cohérence entre puissance et espace. Je prends l'exemple du cours d'eau. Pour la même quantité d'eau qui passe, si je diminue le tuyau, ben, l'eau va s'accélérer. Okay, ça marche comme ça au niveau du système nerveux. Si vous serrez, vous allez augmenter la fréquence. Si vous augmentez la puissance, l'activité, du coup il va y avoir plus d'énergie dans le système, vous allez avoir l'impression que le système est serré. Alors pourquoi je vous raconte ça? Cette jeune fille présente insomnie. Et du coup je pose les mains et je vois effectivement que son système est serré. Donc vous voyez, son premier et deuxième chakra, son plan physique et son plan vital sont serrés. Il y a une compression globale de l'ensemble du système. Ah, j'ai failli me faire avoir. La A4 est fermée. Compression globale du système. Et du coup, ce que je sens juste au niveau de l'activité nerveuse, du coup, je sens comme un emballement. Et ça, c'est un système nerveux qui ne va plus s'arrêter, donc qui ne va plus s'endormir. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment général. Okay. Là-dessus, mon attention, elle est portée au niveau de l'épiphyse. Donc, au centre du crâne, en gros, on a hypophyse, hypothalamus, épiphyse. Ça aussi, c'est dans les vidéos au niveau du septième chakra, puisque l'épiphyse, pour moi, correspond au septième chakra. Le septième chakra, c'est quoi? C'est pas, il est un peu différent que tous les autres. C'est une ouverture, un abandon du système. C'est un abandon à la vie. Et donc, lui, pour moi, il est très important dans le sommeil. Et en fait, on pourrait dire que l'acte de méditer en résilience, c'est-à-dire de monter dans le sept, c'est conscientiser ce qui classiquement est déjà présent dans le sommeil, mais de façon inconsciente. Et on conscientise pour quelque part amener de la conscience dans cet inconscient et prendre possession de cette vie, de tous nos processus inconscients, hein, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les transformer et du coup comprendre ma vie, hein, puisque 90% de ce qui m'entoure et de ce qui m'arrive est complètement inconscient. Plus je vais conscientiser tout ça, plus je vais comprendre ma vie et expérimenter une magnifique aventure. Ceci étant, c'est déjà une soupape au niveau de cet épiphyse et donc au niveau du septième chakra pour éteindre le système, pour aller dans le sommeil, pour se reposer, pour que notre mental, notre intellect aille voir ailleurs si on y est, pour que notre corps puisse avoir la paix et puisse faire la maintenance tranquillement. L'épiphyse, on peut voir que ça a un lien avec la mélatonine et que les écrans bleus, ça bloque ce système-là. Voilà, du coup on a travaillé là-dessus. Et tout en travaillant là-dessus, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a eu un gros travail de la rate à un moment. Donc c'est comme si, vous voyez, je suis au niveau du crâne, sur l'épiphyse, ça travaille. Et c'est comme si dans la terre,
dans la structure de ma patiente, dans la bulle de ma patiente, il y avait à partir de l'épivise un cordon central, comme un tout petit tuyau qui se faisait au centre, et j'ai ressenti comme un tuyau de liberté, vous voyez, quelque chose qui pouvait de nouveau respirer tout au centre. C'est comme si je faisais vraiment, c'est pas moi qui le fais, hein, ça se fait, c'est comme si on mettait une paille, vous voyez, et qu'on pouvait de nouveau laisser circuler un peu d'air, un peu de respiration. Et à ce moment-là, il y a vraiment sous les côtes à gauche qui s'est mis à travailler, c'était la rate. Et la phrase qui est apparue, c'est peur de rater, j'ai peur de louper, j'ai peur de rater. Mais avec cette notion, j'ai peur que le futur soit foiré, quoi, se passe mal. Et donc, si j'ai peur que le futur se passe mal, je vais être encore plus dans ma volonté, dans le besoin de contrôler, je vais encore plus fermer ici et j'enchaîne sur le cycle la délétère, un cercle vicieux quoi. Donc, la respiration centrale a fini par remettre la rate à son niveau, à sa place anatomique. Le système à ce niveau-là s'est calmé. C'est comme si la phrase « j'ai peur que ça loupe » se diluait dans l'espace, et du coup le système de ma patiente a pu prendre plus d'espace du coup, et le système nerveux se calmer, tout ça avec un point d'entrée épiphyse. Pensez-y à l'épiphyse pour tous ceux qui dorment mal, pour tous ceux qui ont des troubles du sommeil. Je dis pas que c'est ça à chaque fois, mais je pense que c'est une clé. Vous pouvez croiser les doigts comme ceci et mettre au sommet de l'arrière du crâne. Voilà. Et vous placez votre conscience dans vos mains. Qu'est-ce que ressentent vos mains? Et logiquement, au bout d'un moment, si vous ralentissez votre respiration, que vous vous calmez, vous allez voir que vous allez avoir l'impression que votre crâne, c'est comme s'il fondait un petit peu dans vos mains après avoir chauffé. Et ça peut vous faire un petit traitement d'appoint et vous endormir. Si vous comptez vos respirations, par exemple, on pourrait faire... Vous comptez 1, inspire, 2, expire, 3, inspire, 4, expire, 5, inspire, 6, expire, 7, inspire, 8, expire, 9, inspire, 10, expire. Et vous recommencez 1, inspire, vous voyez, juste comme ça, et en ralentissant surtout la respiration, et en laissant votre crâne poser dans vos mains. Logiquement, ça devrait calmer votre système nerveux, réouvrir derrière et peut-être faire respirer cette zone, et vous allez peut-être vous endormir. Passez une très belle soirée, je suis très fier de moi. On a fait cas clinique, conseil à tout le monde, généralité, 8 minutes, c'est magnifique, je suis très content. Très bonne soirée à tout le monde, amusez-vous de vous.